Coucou les filles, aujourd'hui je vous présente une vidéo où je vous montre un lot de produits que j'ai gagné il y a à peu près un mois. Et j'ai jamais eu vraiment le temps de filmer, vous montrer cela. Et je pense que c'est cool que vous voyez ça. En fait, comment j'ai gagné ces produits? Au mois d'août, oui, toujours cette année, oui, au mois d'août, je suis allée sur le website de la compagnie Black and Brown, qui est en fait une compagnie qui vend plusieurs produits naturels, organiques. Et je suis allée acheter le Hair Blink de la marque Original Moxie. J'avais essayé l'échantillon et j'avais beaucoup aimé, donc je suis retournée pour acheter le grand pot. Et quand j'ai fini d'acheter, il y avait une bannière, oui, qui est apparue sur l'écran, qui disait, si vous voulez gagner des produits d'une valeur de 250 pounds, qui fait à peu près 300 €, remplissez votre nom, votre adresse et répondez à une question. Et en fait, la réponse à la question était très facile parce que il demandait un ingrédient et il fallait juste aller sur le website et regarder. Donc j'ai rentré. Pas de manière sérieuse, je me suis dit, ok, de toute façon, j'ai complètement oublié ce concours. Et là, le mois passé, oui, début novembre, j'ai reçu un email qui me disait que voilà, vous êtes la gagnante du lot d'une valeur de 250 pounds, 300 € de produits. Et si vous voulez, on veut juste avoir votre autorisation pour annoncer ça sur le website. J'étais super contente. Je n'en revenais pas. J'étais vraiment hyper contente. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Et la plupart des produits sur ce website coûtent assez cher. Il y en a beaucoup qui sont organiques. Et là, ça s'appelle Gold Oil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a comme des pépites d'or dedans. Ils sont super bons. C'est une huile que vous appliquez sur le corps après le bain et il laisse la peau vraiment, elle laisse la peau vraiment satinée et brillante, brillante. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Là, j'ai un de la compagnie Jasmine. C'est une bougie en fait organique. J'ai pas encore ouvert parce que je compte l'offrir à quelqu'un. Donc j'ai pas ouvert. Et cette bougie, je vois, ils ont laissé le prix. Coûte 24 pounds, à peu près 30 €. Et ici j'ai un kit Burt's Bees. C'est un kit. C'est un kit pour les extrémités, donc les mains et les pieds. Je trouve que c'est vraiment génial. Et ça vient, c'est une travel size, taille de voyage. Il y a une crème pour les pieds, une crème pour les mains, un baume pour les... Attendez, je vais ouvrir. J'ai pas encore utilisé ça parce que peut-être je me disais que j'allais aussi offrir. C'est la période des fêtes maintenant. J'ai beaucoup de nièces qui ont tendance à piquer mes produits. Si elles regardent cette vidéo, elles vont se reconnaître. Piquer mon maquillage, piquer mes produits. Ok. Là, c'est un baume pour les mains. Et ici, c'est un baume pour les cuticles, la peau qu'il y a juste autour ici. Je ne fais pas une revue, donc je vous montre même pas la consistance, sinon la vidéo sera trop longue. Et ça, c'est taille voyage, une crème un peu plus... lourde pour les mains et bien sûr un baume pour les lèvres. Je trouve que c'est vraiment cool. Et les produits Burt's Bees, j'ai utilisé dans le temps pour le corps et j'aimais beaucoup. C'est des produits de très bonne qualité.
Voilà. Next. Globe. Glo-Oyo. Ça se voit que j'ai déjà utilisé, mais je n'ai pas utilisé tout ça. C'est que j'ai fait, en fait, j'ai renversé dans une... je versais dans une bouteille qui à compte-gouttes. Parce que j'ai tendance à utiliser beaucoup de produits. Donc, en ayant quelque chose où je peux juste avoir quelques gouttes, ça m'aide à utiliser moins. J'aime beaucoup, beaucoup cette huile parce que la consistance n'est pas... c'est pas trop lourd et c'est pas trop léger non plus. J'ai les cheveux fins, donc je dois vraiment faire attention aux huiles que j'utilise pour mes cheveux. Donc, j'utilise ça pour sceller l'hydratation. Et ce sont les ingrédients sont organiques. Il y a l'huile d'argan, il y a l'huile de coco, l'huile de germe de blé, le camélia, l'huile de camélia japonais. Et c'est vraiment très beau. Et tous ces produits coûtent assez cher, je dois dire, mais la qualité est vraiment superbe. J'aime beaucoup ça. Dès que c'est fini, je vais en racheter. Je crois ça pour cette petite... C'est la plus grande taille qui est de 4 ounces, ce qui fait à peu près 120 millilitres. Ça revient à 15 pounds. L'huile d'argan, tout ce que j'ai essayé sur mes cheveux, ça m'a gêné. Mes cheveux n'ont jamais aimé. Mais mélangé comme c'est là, ça, j'ai pas de problème. Ok, passons au prochain produit. Ça, c'est un kit voyage fait par Linden Leaves. Et je vais vous montrer, c'est vraiment cool. Là, j'ai... Ah! Le Gold Mist, qui est semblable à celui-ci, mais il est un peu plus léger et c'est vraiment cool. Ok. Il y a, ça c'est une note, c'est une huile pour le corps, qui sent super beau. Je ne sais pas comment décrire l'odeur de cette huile, mais ça sent, mais il y a de la vanille dedans, mais ça sent super bon. Ça me rappelle une marque avec laquelle j'ai travaillé quand je travaillais dans un spa. Et je crois que c'était Comfort Zone, j'ai oublié le nom du produit. On utilisait ça toujours avant de faire un soin de visage pour on demandait aux clients d'inhaler et ça vous apaisait. C'est vraiment génial. Et c'est cool, regardez, il y a la fleur. Si je trouve la traduction en français, je vais mettre dans la description. Il y a une fleur dedans. Ok. Et autre chose. Il y a... une crème pour les mains et les ongles. Tout sent de la même manière. Un petit savon. Oups. Un petit savon. Une crème pour le visage. Du sel pour le bain et celui-ci c'est ginger peach, la pêche avec ça sent bon là, et vous voyez les je crois là c'est le ginger, comment ça s'appelle, ginger en français, on dit encore ginger, gingembre, voilà, et on voit des morceaux de gingembre là. J'aime bien le fait que c'est taille voyage. C'est vraiment avec dans les avions. Et ça, c'est une crème pour le corps. Ça sent bon. C'est à base de thé vert. Thé vert et... pas citron, l'autre là qui est vert. Comment on appelle ça? Je sais pas. Lime. Ok. Right. Et... Anyway, c'est une éponge naturelle pour se laver avec. Et...
Dressing Balm. Un baume qu'on peut utiliser pour tout. J'aime bien ça. Donc, c'est un produit, regardez l'emballage, c'est vraiment super. C'est un produit qu'on peut utiliser pour tout. Ils disent... Ok. C'est très épais, ça sent très bon. Donc, on peut l'utiliser pour le corps, pour les petits bobos, pour tout. Je remets dans sa boîte. Next. Ça, c'est la marque Trilogy. C'est Balancing Gel Cleanser. C'est un gel pour se nettoyer le visage avec. Et je n'ai pas encore lu... Mais le fait que ce soit, que ça balance, je dirais, c'est plus pour les personnes qui ont une peau combination, une combinaison de gras ici, ou bien les gens qui ont les peaux un peu plus grasses. Mais moi, j'ai pas ça, donc je pense que je donnerai ça sûrement à une de mes nièces ou à mon fils. Voilà le reste. Oh. Un bain moussant. Ça c'est, j'ai jamais essayé cette marque dans les produits capillaires, c'est Mixed Cheeks Deep Conditioner. Ça m'a jamais intéressé, mais on verra. Je vais voir d'abord les ingrédients. Ok. Le seul problème que j'aurais avec ça, c'est parce qu'il y a des silicones et mes cheveux ne réagissent pas trop bien avec les silicones. Donc, je risque de ne pas utiliser ça. Encore un autre produit Burt's Bees et ça, c'est un gommage pour le corps. Désolé, pour le visage. Twist Mist de... Original Moxie. J'ai toujours voulu essayer ça, mais j'ai jamais acheté parce que ça coûte quand même cher. À peu près 13 pounds pour cette petite bouteille, mais ça vaut le coup. J'ai essayé ça sur les twists de ma fille, donc on n'utilise pas beaucoup. J'ai essayé ça sur les twists de ma fille et ça rend les cheveux brillants, mais sérieux, vraiment sérieux, ça, c'est amazing. Oh, ça c'est mon bébé, ça c'est mon chouchou, c'est le Hair Bling. J'aime beaucoup cette pommade, c'est très épais et vous n'aurez besoin que d'un tout petit peu, surtout quand vous faites des twists ou un chignon, ça rend les cheveux vraiment, 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 vraiment brillants. Je ne vais même pas vous lire les ingrédients, c'est d'abord écrit trop, trop petit et c'est juste génial. Et ici, j'ai le Shape Shifter Reforming Cream. Ça, c'est supposé rallonger un peu les cheveux parce que, comme vous savez, les cheveux afro souffrent du shrinkage, de rétrécissement très bas. Et ici, j'ai Straight Up Slick Control. Je crois que ces deux produits, je vais les utiliser ensemble quand je... Le jour où je déciderai de blow dry mes cheveux ou les cheveux de ma fille. Ben voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si je ne pose pas de vidéo avant la fin de l'année, je vous souhaite une très bonne année et à très bientôt. Oh oui, avant que j'oublie. Ok, aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, j'ai juste fait un simple bun. Rien de spécial. Mes cheveux sont sales, donc ils obéissaient pas. Et j'ai juste pris mon banana clip et j'ai juste, en fait, enroulé les cheveux et j'ai mis les épingles. Et donc, voilà. Voilà. Merci les filles et à très bientôt. Bye bye.